un dysfonctionnement connu au niveau national qui concerne toutes les structures de l'ensemble du territoire français. Et donc la Caisse nationale, que j'ai eue ce matin même, s'engage à rétablir le fonctionnement normal de ce portail à compter du 15 mars. Dans le cadre d'un dialogue bien compris, d'un dialogue partenarial, je reçois ces structures, et avec ces structures, nous évoquons leurs difficultés, nous évoquons les raisons pour lesquelles elles n'ont pas, en ce début d'année, la trésorerie suffisante pour payer les salaires ou leurs charges. Donc, je m'engage à l'issue, après avoir recueilli leurs explications, puisque la Caisse nationale des allocations familiales nous demande de mettre en œuvre un dispositif exceptionnel, après cette rencontre, je m'engage à ce qu'un traitement manuel soit fait afin que ces structures reçoivent une partie de leur dotation, enfin tout ou partie de leur dotation. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.